décès de Dan Marcel du groupe Two Boys. C'est une terrible nouvelle qui bouleverse toute la Côte d'Ivoire. À peine trentenaire, maman de Dodo, membre emblématique du groupe Two Boys, s'est éteint après une longue maladie, selon des sources proches. Ce talentueux artiste laisse derrière lui une carrière musicale marquée par des morceaux inoubliables et en style unique. Repose en paix, gros artiste. Tu resteras à jamais dans nos cœurs. Victoire des éléphants. Les éléphants de Côte d'Ivoire ont offert une véritable démonstration de force au stade Félix Houphouët-Boigny en écrasant le Tchad 4-0. Avec cette éclatante victoire, la Côte d'Ivoire se qualifie pour la Coupe d'Afrique des Nations 2025 au Maroc. Les joueurs, portés par un public enflammé, ont régalé leurs supporters et montré une performance qui donne espoir pour la suite. Vive les éléphants! Décès de l'acteur Stéphane Zabavi. Le monde du cinéma ivoirien est en deuil suite au décès de Stéphane Zabavi, un acteur talentueux et très apprécié, connu pour ses rôles marquants dans plusieurs productions locales et sa participation remarquée à The Voice Afrique. Zabavi laisse un vide immense dans le cœur de ses fans et de ses proches. Adieu l'artiste, que ton âme repose en paix. Libération de l'influenceur Bikongo. Connu pour son franc-parler et son engagement sans filtre, Bikongo est une figure emblématique des réseaux sociaux ivoiriens. Dans l'une de ses récentes vidéos, il a tenu des propos qui ont fait grand bruit, ce qui lui a valu quelques jours de détention. Comme on le dit en Côte d'Ivoire, Bikongo ou Bakongo, c'est juste une question de lettres. Libéré depuis peu, il est de retour parmi nous et ses fans sont ravis de le retrouver. Nous espérons qu'il continuera à porter haut la voix des sans-voix.